Salut Peter. Salut Miles, ça va? Pourquoi tu me demandes ça? Ah ouais, je t'ai pas encore parlé du Spider Instinct. Je mets ça sur la liste pour la prochaine leçon. Ouais, je vais bien. C'est juste que je suis à l'hosto. T'es à l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a quelqu'un qui est venu? Non, rien à voir. En fait, y'a rien, je... j'ai juste sauté d'un pont. Quoi? Y'avait un pont... J'ai sauté. Bah quitte. Mais ça va? J'arrive tout de suite. Non, j'ai rien, je t'assure. Enfin, je me suis pété un orteil. Tu savais que ça pouvait pas se soigner? Genre, on te dit, pas de bol, voilà. Ouais. Ça va pas de faire ce genre de truc? Bah ouais, je m'en rends compte. Je suis sérieux. T'as peut-être des pouvoirs, mais t'es pas indestructible. Crois-moi, tes pouvoirs... Oh, ça me fait trop bizarre de dire ça. C'est une responsabilité. Tu dois toujours garder ça en tête. Ouais, désolé. Je ferai des efforts. J'en doute pas. Et on se revoit ce week-end pour une nouvelle leçon, ok? Ok, merci Peter. Remets-toi bien, fiston. Les donne de la Magia. Voyez qui voilà, le nuisible. Juste à temps pour le direct. Le direct? Bonsoir New York. Bienvenue dans l'émission de ce soir, la relève de la garde. Vous vous rappelez l'époque où honneur et loyauté étaient plus que des mots? Quand la Magia était crainte et respectée? Ce soir, cette époque va faire son grand retour. Allez! Au secours! J'aimerais vraiment pouvoir me joindre à vous. Ne bougez pas. Je vous retrouve très vite. Il faut que je m'occupe du type aux commandes de la bétonnière avant que les donnes se noient. C'est bon. Pour l'instant. Non, faut plus qu'il touche aux commandes. Faut pas qu'il s'approche de la bétonnière. J'espère que j'ai coiffé Yuri au poteau. Moi aussi, tu veux couper du ciment, l'araignée. Pas encore trop de ciment. Pourvu que ça dure. Dans le deal. Plus rien. Pour le moment. Hammerhead est un homme industrieux. Il prend les commandes de la ville. Qui a commandé? Oh non! Ils ont relancé la bétonnière! Pleurez, Minus!
ça qui se met à l'écart. Toute cette ville sera bientôt aussi forte. Si je désactive pas la bétonnière, les guns vont y passer. Vous savez, j'aurais beaucoup moins de mal à vous aplatir, hein, sans vos boucliers. Faut que j'éloigne ce type de la bétonnière. Patientez encore un peu. C'est top. Non, en vrai, c'est... Ah bah non, non, non. Encore un perforateur à tank. Je me demande s'ils ont des porte-gobelets là-dedans. Hé, hey, comment t'appelles ça? Les perforateurs à tank. Non mais je sais pas, vous avez qu'à leur donner un nom aussi. Hé, hey, tu vas crever, hein. Classique. Et on peut plus l'éteindre. Il faut que j'essaie d'empoiler la bétonnière. Pas, craque pas. C'est bon. Maintenant, mes toiles cochent la case à l'épreuve du silence. Hé, hey, vous voulez pas venir nous aider, là? Surtout, tenez bon. On va vous sortir de là. Les Duns sont en sécurité avec la police. Autour du grand méchant à la tête plate. Bien joué, l'insecte. Tu as gâché ma petite fête. Mais c'est comme ça. Les aléas du direct. Ça te plaît? Le projet Olympus en action. Je l'ai terminé pendant que tu t'amusais avec les Duns. À la haute couture, c'est vraiment plus que c'était. Je suis désolé, mais le gris métallisé ne va pas autant. Il faudra du temps pour redresser la pègre de cette ville. Avec ça, ma place est garantie. Garantie sur le long terme. Tes pièces, elles sont peut-être garanties, mais toi, t'as pété un plomb. Non. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. La ville ne prend plus la magia au sérieux.
Il n'y a plus de respect. Mais quand New York m'aura vu te briser en deux, les choses vont changer. Il est temps de revenir à nos heures de gloire. Oh, j'ai jamais vu une tête aussi dure que la tienne. C'est comme frapper un mur. On est bien trempé. Je vais sûrement faire gagner ton système. Il faudrait peut-être que j'évite ça. Tu manques de confiance, là. Je vais t'en donner, moi, de la sécurité. J'en ai cogné des têtes, mais c'est la tienne la plus dure. Bah ouais, te transformer en aberration de la nature, c'était peut-être pas une si bonne idée, tu vois. Hé, hey, dis, t'as pas entendu quand je t'ai parlé de long terme? La Magia a toujours eu de la patience, mais elle attendra le moment opportun pour... Yuri. Non, Yuri. Faites pas ça, capitaine! Non! C'est pas bon. Ah!
t'ai vu autrefois. Tu m'as parlé de la peur. Comment tu te sens, là? Je suis au top. C'est moche pour le capitaine, mais je suis contente que ce pourri soit mort. Qui a dit qu'il était mort ? Vous connaissez, je ne suis pas du genre à dire du mal des gens. Qui a mis cette note ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Un créateur de contenu. Ça veut rien dire, j'arrête, ce sont deux mots insignifiants qui, mis bout à bout, donnent un nom insignifiant, j'arrête! Ce que j'essaie de vous dire, chers auditeurs, c'est que je n'aime pas dénigrer les autres New-Yorkais célèbres et influents, comme moi. Mais je tiens néanmoins à mettre une chose au clair. Screwball est une menace pour cette ville. À peine moins que Spider-Man lui-même. N'importe qui peut-il avoir une chaîne de nos jours? On laisse cette peste aux cheveux violets faire n'importe quoi sur Internet. Si on ne l'arrête pas, elle va provoquer un effondrement sociétal. Ce n'est pas mon rôle de vous dire quoi faire, chers auditeurs. Et jamais je ne vous inciterai à faire quelque chose qui frise l'illégalité. Mais si la chaîne de Screwball devait être fermée, et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'émettre à nouveau, je crois que ce serait une bonne façon de protéger notre ville. Bien meilleure, en tout cas, que tout ce que Spider-Man a jamais daigné faire pour nous. PlayStation.